Le président de la transition, chef de l'État, son excellence le colonel Assimi Goïta a reçu, vendredi 12 novembre 2021, dans la salle des banquets de Kouliba, les autorités traditionnelles, coutumières et religieuses du Mali. À l'ordre du jour, les défis et enjeux sociopolitiques auxquels fait face le Mali. C'était en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de la transition de l'archevêque de Bamako ainsi que du président du Haut Conseil islamique. Toutes les 19 régions du Mali, en plus du district de Bamako, ont répondu à l'invitation du chef de l'État. À l'unanimité, les légitimités coutumières et traditionnelles ont témoigné qu'une telle rencontre relevait du jamais vu dans notre pays, car selon leurs précisions, c'était la toute première fois qu'un président réunissait les représentants des terroirs ainsi que les notabilités sous un même toit. M. Bajan Agamatou, de la délégation de Ménaka, renchérit en déclarant que les chefs traditionnels ont toujours été écartés de la gestion du pouvoir, notamment dans le processus de prise de décision. Une erreur qui, selon lui, est en train d'être corrigée progressivement par le président de la transition, depuis son investiture. Certains représentants des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses du Mali, ont, au cours de cette cérémonie, réclamée sans réserve, une rallonge de la transition jusqu'à l'apaisement du climat social, politique et sécuritaire dans notre pays. Quant à Jidji Jibril Diara, patriarche des familles fondatrices de Koulikoro, la prolongation de la transition est une logique qui s'impose de facto au Maliens au regard du contexte sociopolitique, sécuritaire et humanitaire difficile que vit le pays. Aussi, a-t-il exhorté les autorités de la transition à persévérer dans la lutte implacable contre la corruption, la délinquance financière et l'impunité. Un soutien de taille qui n'a pas manqué d'en provoquer bien d'autres. Les hôtes ont lancé un appel pressant aux Maliens à se donner la main pour la réussite de la transition, quelle qu'en soit la durée. De la vie générale, il ressort une vive opposition à la tenue d'une quelconque élection au mois de février prochain pour d'évidentes raisons de sécurité et de paix sociale. C'est pourquoi, M. Zantigui Diyakite, chef de la délégation de Bougouni estime que les Maliens doivent prendre le temps de balayer d'abord la maison commune avant de songer à des élections. Pour sa part, M. Oumar Ouattara, chef de la délégation de Koussiala, salue les différentes initiatives du Président Goïta depuis sa venue aux affaires. Satisfait de ses bons témoignages. Le chef de l'État a salué la présence massive des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses aux côtés des autorités de la transition. Votre engagement au quotidien est une chance énorme pour l'équilibre social qui est un facteur déterminant au sein de toute collectivité, a déclaré le président de la transition, ce le colonel Goïta avant d'inviter ses visiteurs de marque à poursuivre leur dynamique de soutien à l'État en général et à la transition en particulier. Le président Goïta a réconforté les chefs de village en s'engageant à leur octroyer, dans un avenir très proche, en plus d'un macaron, un drapeau que chacun fera flotter en un endroit visible de sa maison, de préférence à la porte d'entrée ou au milieu de la cour. Une information aussitôt accueillie par un tonnerre d'applaudissements, Signe tangible de satisfaction de la part des concernés dont le leadership de certains a déjà permis de mobiliser les populations dans le sens des contributions volontaires à l'effort de guerre.